Bonjour à tous et à toutes. Nous allons continuer, et cette fois-ci dans la forêt. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la fin, à vous abonner si vous voulez, hein, pour voir la suite. Et bon, on y va. Donc logiquement. Ah, c'est bon, c'est resté en mémoire. Donc. Il était là. Oh, mais un sanctuaire. Cool. Oh putain, c'est celui que j'aime pas. Les étoiles seront ton guide avec ton destin, leur nombre coïncide. Donc là, il y en a trois. Donc on va vous expliquer ce que j'ai un peu regardé. Là, c'est la série des trois là. Donc là, c'est la première ligne, là, la deuxième, troisième ligne, 4 et 5. Donc il faut regarder là-haut combien on voit de petits trois là. Normalement, hein. Donc 1, 2, 3, 4. 5 Il n'y en a que 5. Donc, première ligne, c'est là, et 5, c'est là. Ensuite, les gros traits là. Un. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut aller comme ça. Hein. Quoi qu'on peut plutôt regarder comme ça. Donc là, il y en a 7, c'est 1, 2, 3, 4. Là, il y en a trop. 5 non, mais c'est la forme. Oh, parce qu'il n'y en a que 5. Donc celui-là non. Donc 1. Donc, 1, 2, 3, donc moi j'en vois que 3, 1, 2, 3, donc 3, c'est là, devant les 3, hop. Ensuite, pareil, oula. Donc combien qui ressemble à ce truc là-bas bizarre? Mais avec celui-là. Moi j'en vois qu'un. Hein.
Donc le 1, il est là. Et ensuite, celui-là, là-bas. Donc, il y en a un, deux. Moi, j'en verrai que deux. Hein. Donc, un, deux, c'est là. C'est bon. Putain, du premier coup. Trop fort. Bon, je sais, c'est un coup de chance. Mais il y a un coffre, il paraît aussi, voilà. Alors, les petits. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 petits. 4. Il y a un truc. Donc, 4, 1. 2 trucs. 4, 2. Il y a 4, 2. Les trucs là-haut, il y en a 2. Donc 4, 2, 2. Et l'autre, il y en a 1. Donc 4, 2, 2. Hein. Quatre. Je crois que c'est que un celui-là. Je crois qu'il y en a deux. Non. Donc lui, il y en a deux. 4, 2, 2. Quatre, deux, deux, un. Voilà, c'est ça. Je vais inverser les deux. Heureusement que j'ai remonté mes armes. Compte le cœur, c'est dur à compter. Voilà, comme ça je pourrais venir quand je veux. Très belle musique, hein.
Je me demande si on peut grimper tout en haut. Ah oui, on peut. On va voir ce qu'il y a. Hein. J'imagine qu'il y a un coffre ou du pognon. Un Korogu nous attend tout en haut. Oh, mais ils sont fermés tout seuls. Si tu es venu à moi, est-ce que tu veux l'épreuve ultime? Qu'est-ce que c'est que ça? Petit, rouge, rond, croquant. Alors, petit, rouge, rond, croquant et sucré. C'est une pomme, on va savoir. Mais quel feu? Ah, mais là, elle a la feuille, je n'avais pas vu. Hein. Ok, on va mettre une pomme. C'était ça? Putain, trop simple. Ah d'accord, il y en a plus. Quel légume bien robuste est originaire du village? Oh putain. C'est quoi cette arnaque? Robuste du village de Cocorico. Je crois que c'est ça. C'est ça ou les carottes. Ah ah ah, je suis trop fort. Quel champi pousse dans les régions chaudes? Putain, mais j'en sais rien ça. Quel champi pousse dans les régions chaudes?
et pimente les plats qui en contiennent. Un champignon, ok. La forêt d'Hyrule. Ah ben voilà celui-là. Bah, je suis con, champi-piment. N'importe quoi. Quelle truite rend résistante au choc électrique? Marrant ça. Marrant ce petit jeu. Donc un poisson, une truite, bah celui-là. Heureusement que j'en ai, hein. Quelle sera la dernière? Ouais, bah ça, je suis prêt, ouais. Ça a beau être un ongle, ça n'y ressemble pas vraiment, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Un ongle? Un ongle. Je dirais ça, mais non, ça sent pas un ongle, ça. Ça se trouve, j'en ai pas, hein. Logiquement, c'est un ingrédient. C'est quoi ça? Peut-être ça, hein? Non, ça c'est une dent. Ah, bah, ça doit être ça. Ah non, mais ça ressemble pas. Ça c'est un nom carrément, ça. On va essayer. Ah, faut le réveiller. Non, c'est pas ça. C'est un aliment, hein, ce qui serait logique. Ongle, mais qui ressemble pas trop. Ça ressemble à une dent, pas à un ongle. Peut-être ça? Bah non, ça c'est du poulet. Ouais, bah non, je vois pas. Je crois que je vais m'arrêter là. Ouais, quoi que si, il dit que c'est beau être un ongle. C'est ça? Ok, bon bah c'est tant pis, hein. J'en sais rien. Allez, un dernier vite fait, et puis après on arrête. Qu'est-ce qui ressemble à un ongle? Tututututu.
Bon, tant pis. Je chercherai une autre fois. Donc, on peut voir tout le domaine. Oh, une villa. Ah, mais il y a le feu là aussi. Non, c'est l'entrée. Hein. Non, c'est toi qui es petit en fait, c'est pas moi qui suis grand. Nom d'une tuée imposée, le héros, et oui! Ah ouais, t'es sûr. Ah, je me dis bien aussi. Parlons des épreuves, ha ha ha. Tu n'as pas encore touché l'épée. Bah non. Oui, bah tu permets, je fais ce que je veux. Hein. Il y a le magasin. On peut dormir, c'est cool. Champi. Avec des champis quoi, ouais, ce qui est un peu logique. Hein. Pomme, canne à sucre. Ouais, les flèches, toujours intéressant à avoir. Bon, 300, c'est peut-être un peu trop. Ah, flèche électrique, il en faut, oui. Oh, ça va, vous me gonflez avec l'épée. Si je veux, je la prends. Hop là. Le problème, c'est que je sais plus où aller l'épée. Ouais, je sais que sanctuaire là. Je me suis perdu. Logiquement, il est avant le sanctuaire, donc on va aller dans l'autre sens.
Sortie, non. Ok, elle est là, l'épée. Bon, il se cache quand on arrive. Ça, c'est d'où je viens. Je sens qu'on va sortir si je passe par là. Ça me plaît pas trop, ça en est où là? Pas grave, on tente, de toute façon j'ai fait le sanctuaire donc je peux revenir.